C'est vrai qu'après de nombreuses années à travailler sur le sujet, il nous semblait important d'être dans ce trophée qui commence à bout de 4 ans avoir un certain poids et qui représentait pour nous une reconnaissance si toutefois nous avions ce prix mérité aujourd'hui. Alibert, donc guide de montagne depuis 35 ans. Donc c'est vrai que nous, l'aspect touriste durable, il nous est un petit peu naturel dans la mesure où notre métier justement c'est d'arpenter les sentiers, de rencontrer des gens et de monter des partenariats avec eux sur place, de monter des équipes. Donc c'est vrai que depuis en fait 35 ans, on est quasiment déjà dans l'esprit, donc ça nous semblait naturel. Beaucoup d'émotions, fatalement, et puis le fait d'être reconnu, d'avoir son travail reconnu, ça fait toujours, toujours plaisir, fatalement. Et puis ça prouve, comme le disait Nicolas Vanier tout à l'heure, que le travail commence à payer et que ça prend une ampleur qu'on n'aurait pas imaginé nécessairement il y a 10 ans quand on a commencé les démarches ATR, etc.